Bonjour, bienvenue à l'Acro. Nous sommes devant le canal Jean-Nat. En 1450, la commune de l'Acro n'existait pas vraiment. Il y avait hier qui était un petit peu au-dessus avec ses remparts, mais tout le reste ici, c'était des champs et des marécages. Il a servi à apporter l'eau. Il a servi à faire tourner les moulins, les roues des moulins à farine. Il a servi aussi à alimenter les animaux, à fabriquer le savon. Les villageois s'en servaient pour laver le linge. Les rendez-vous galants se passaient ici. Donc c'était l'endroit où l'on causait. Ça fait partie de notre patrimoine et de notre histoire. Parce qu'il faut savoir quand même que l'Acro existe un peu grâce à lui, je dirais.